avez parlé dessus, de ce que vous avez dit. Et puis, on parlait des modifications, en tout cas, des petites améliorations, des choses comme ça, des choses comme ça. Per ricavi nella situazione del repertorio, mia colpa, mia colpa, mia maxima colpa. Chi io precoce la Maria di Santa Vigina, mia famiglia del mercato, mia ragione, che sono sempre vostro, aspetta me, Paolo, non si sente vostro. Tanto da svanire il mio amore. Misere tu sempre potere, Dio, gli esplicati, tu risparmi più in vita, mi danno la mia conto. Jubilate de omnes terra, alleluia, psalm dicit in amore, Deus, alleluia, date gloria a Deus, alleluia, alleluia, alleluia. Dicite Deo quam terribilia sunt opera tua ad amine, in multitudine virtutes tu immensiento divini mici tui. Gloria Pati et Filio et Spirito et Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo omnes terra, alleluia. Psalmum dicite nomina. Date gloria a no Dios, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. Gloria in excelsis Deo.
Ut in viam possent redire us et sive veritatis prenomen ostendis Iacumtis qui Christiana professione censentur et illa res pobre me huic inimica sunt nomini et ea que sunt apta sectari per nomen nostrum Iesu Christum filium tuum qui te confite te gratitate spiritus sancti Deus et omnia saecula saeculorum. Amen. Ex officio beati perpetui apostoli, carissimi, obsequo vos tamquam adonas et peregrinos, abstinere vos a canalibus desideris, venire tant adversos animam, conversationem vestam intergentes aventes bonam, ut in eo quod detractant de vobis tangam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificendium in divisitationis. Subiectigitur est tote, omni omane creature, propter Deum, sive regi, quasi precedenti, sive ducibus tangam apeo missis, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, via sicces voluntas Dei, ur benefacientes, op mutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam, quasi liberi, et non quasi velamen aventes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei. Omnes honorate, Fraternitatem dilicite, Deum timete, Regem honorificate. Servi subditi est tot in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam discordis. Ecce est in gratia,
In Cristo Jesu Domino nostro. Gracias. Alleluia, alleluia. Redenzione misi Dominus populo suo. Alleluia. O porte batpati Christum, et esfugira mortuis, et ita entrar in gloriam suam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Iovannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis solis, modicum etiam non vide epitis me, et idrum modicum et vide epitis me, quia vado ad Patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius, at invicem, quid est hoc, quid dicit nobis, modicum et non vide epitis me, et idem modicum et vide epitis me, qua vado ad Patrem. Dicebant ergo, quid est equal dicit, modicum, nescimus quid requitur. Cognovit autem Iesus quia volebant eum interrogare, et dixit eis, Deo quiritis inter vos quia dixi modicum et non videbitis me, et idem modicum et videbitis me. Amen, amen, dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem godebit, vos autem contestabi mihi, sed itis aves avertetur in gaudium. Muliere comparit, Tistitiam abet, quia venit ora eius, cum autem pepererit poerum, iam non meminit pres sure propter gaudium, quia natus est omen mundum. Et vos igitur non quidem, tistitiam abetis, itrum autem videbo vos, et godebit vod vestrum, et gaudium vestum nemo tollet ad vobis. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques, en Italie, Sainte Catherine de Sienne, patronne, ainsi d'ordre dominicain. Demain, c'est le 1er mai, Saint Joseph, artisan, première classe, époux de la Sainte Thérèse de Vierge Marie. Mardi, Saint Athanase, évêque et docteur. Mercredi, de la Féerie. Mémoire de Saint Alexandre Ier, pape et martyr, et de ses compagnons martyrs. En certains lieux, l'invention de la Sainte Croix. Jeudi, Sainte Monique, veuve. C'est le premier jeudi du mois, on prie pour les prêtres. De vocation, jeudi dédié à la prêtrise. Jésus a institué le sacerdoce, le jeudi saint. Vendredi, Saint Pie V, pape et confesseur. C'est le pape du Concile de Trente qui a rédigé le rite tridentin, qui est tout simplement le rite catholique restauré.
latin. Ce premier vendredi du mois, samedi, premier samedi du mois, de la Sainte Vierge au samedi, en certains lieux, Saint-Jean devant la porte latine et Saint-Dominique Savio, confesseur. Et Marie, Sainte Bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés. Dimanche prochain, le quatrième dimanche après Pâques. Donc le 3 mai, l'évêque Monseigneur Madrigal va venir, qui fait une tournée en Europe, donc il va venir ici. Et dans le cours de l'après-midi, je pense à 4 heures, il y aura la confirmation, mais je vais encore confirmer l'heure. Sachez que tous les sacrements après 70, sauf le baptême, éventuellement, tous les sacrements ont été renouvelés, le baptême aussi, mais la validité n'est pas menacée au début, capable, plus tard, oui, sont douteux, donc au moins douteux, sinon prouvés invalides. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est douteux. Mais pour la messe, par exemple, on a prouvé que la messe est invalide. Si on suit le texte, puisqu'on n'exprime pas une condition nécessaire pour la validité de la consécration, c'est de rendre le sacrifice de Jésus-Christ présent. Ce n'est pas dans le texte même, puisque ça plaît aux protestants, et les protestants n'acceptent pas que c'est un sacrifice, donc c'est la preuve. Etc. Donc la confirmation est aussi douteuse, surtout à cause de la matière. C'est permis d'avoir d'autres matières que la huile d'olive qui est nécessaire pour la validité. C'est pour ça que cette consécration de monsieur Uhlander, ce n'était pas à Icône, mais à Salzkofen, c'est un autre séminaire à la fac de Saint-Pédis en Europe, en Allemagne. Il a consacré de Saint-Zuil, ça veut dire qu'il n'a rien consacré du tout, puisqu'il a une prêtrise et un épiscopat invalide. Et les autres sacrements, le mariage est valide, s'il est bien fait, bien sûr, convenablement. Pour autant que c'est possible, parce qu'on se marie validement devant son propre ministre. Donc le modaliste peut se marier validement devant des modalistes. Parce que le mariage, c'est un droit naturel. Comme un bouddhiste se marie devant un bonze et un athée devant le maire. Donc ce sont des mariages valides. Mais sauf pour les baptiser, c'est un sacrement. Et c'est valide devant son propre ministre. Donc un catholique traditionnel ne peut se marier validement que devant l'Église, la vraie Église. Chacun devant son ministre, et surtout, ça vaut surtout pour les catholiques. Donc la confirmation, si vous avez vu la confirmation après 70, il faut la refaire. Hein. Mais si vous n'êtes pas encore prêt, ne paniquez pas. On va trouver un autre évêque. J'envoie les gens qui ne sont pas les fidèles chez Monsieur qui habite en Belgique. Par préférence, Monsieur Madrigal, mais si ce n'est pas possible, alors Monsieur Stever, en tout cas, c'est valide. Voilà. Et c'est le mois de mai, le mois de Saint-Joseph, de Marie, pardon, c'est comme la fête de Saint-Joseph, mais c'est le mois de Marie. Qui est recommandé, un des mois de Marie, le deuxième c'est octobre, comme vous savez, c'est le Saint-Rosaire. L'autre période, la plus importante encore, c'est l'Avent. L'Avent, c'est par excellence un temps marial. Mais le mois de mai est très connu, n'est-ce pas? Puisque c'est le printemps, le développement du printemps, et la Sainte Vierge Marie, c'est le printemps de la religion, parce qu'elle apporte des fruits, le fruit de son... de ses entrailles, qui est le fruit le plus important que la création jamais
produit avec la grâce de Dieu. Il est recommandé de faire en famille, ou en tout cas individuellement, des exercices en son honneur, de fleurir son image, de faire développer la dévotion, de renouveler la consécration à la Sainte Vierge Marie, qui a été faite normalement après votre baptême, lors de votre baptême. Un enfant de Marie ne périt pas, dit Saint Bernard de Sienne, de Clairvaux, plutôt. Le grand Saint Bernard qui a écrit la première théologie mariale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Évangile aujourd'hui, nous avons cette annonce de notre Seigneur Jésus-Christ aux disciples. Il y a un petit temps, et vous ne me verrez plus. Il y a encore un court temps, une courte période, et vous me verrez. Parce que je vais au Père, à Dieu, en tant qu'homme. Visiblement, parce que en tant qu'homme, même, il est toujours avec Dieu, puisqu'il est Dieu. Il avait sa vision béatifique. Mais visiblement, l'ascension, c'est visiblement qu'il retourne à Dieu avec son corps et son âme. Donc c'est pour nous qui fait ça, n'est-ce pas, pour se dérober à nous. Pourquoi Jésus, et c'est plusieurs fois, ce texte est applicable à plusieurs reprises, événements. Ici, il s'agit concrètement de sa mort, où il ne va plus être vu, il va être enterré, et vous me verrez, c'est la résurrection. Et je vais au Père, ça veut dire qu'à sa mort, il recommande son âme à Dieu. In manos tuas, comme in spiritu meum. Il est retourné dans ce sens au Père, pour nous. Je répète, en soi, il est toujours avec le Père, parce qu'il est Dieu. Alors. Mais c'est pour nous, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous apprendre, pour nous amener au ciel, pour nous montrer le chemin au ciel. Donc, il est avec nous, c'est une consolation extraordinaire. Ensuite, il s'en va, c'est une tristesse très grande. Il compare ça avec une femme qui est en train de mettre au monde un enfant, donc, qui est dans les douleurs de l'enfantement, l'accouchement. Donc des douleurs, et les disciples ont été traumatisés, hein, donc ça on a vu, ça, pendant la passion de Seigneur Jésus-Christ, parce que toute leur vie, ils ont donné à Jésus, ils ont tout quitté, et tout d'un coup, ils se présentent comme quelqu'un qui est totalement vaincu par ses ennemis, et qui avait pourtant prouvé être Dieu, donc... ça les a vraiment touchés très profondément, dans le plus profond de leur âme, parce que Jésus était leur vie. Quoi. Et tout d'un coup, tout s'écoule de manière très dramatique. Et ils n'ont pas compris les avertissements de Jésus-Christ, qui les a bien préparés. Mais voilà, ils ont fait attention. Il avait quand même prédit à plusieurs reprises, à 4-5 reprises, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, qu'il va être tué par les Romains, par les grands prêtres qui vont livrer aux païens. Donc, il avait tout spécifié. Alors, une grande joie de le revoir ressuscité. Et Jésus veut nous éduquer, je viens de dire, il veut nous apprendre à aller au ciel. Comment ? Eh bien, ça a toujours à voir avec la connaissance et l'amour, puisque Dieu est connaissance et amour. Le Père engendre le Fils, qui est un acte d'intelligence infinie, une
et c'est de l'intelligence exprimée, c'est une connaissance de Dieu exprimée en Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est un acte d'amour infini. Et nous sommes faits pour cela. Parce que le plus intime de nous, c'est notre âme, qui est esprit comme Dieu, donc qui peut être uni à Dieu, puisqu'un esprit peut être uni à un esprit, il y a compatibilité. Ce n'est pas ainsi pour les animaux, mais pour les hommes et les anges. Et nous avons intelligence, mémoire, volonté, donc intelligence, donc des actes de vérité et de connaissance sont possibles, limités, mais quand même, activement limités, mais passivement illimités. Activement, ça veut dire notre intelligence active est limitée, mais passivement, ça veut dire recevoir est infini, on peut recevoir Dieu, notre intelligence, c'est la vision béatifique. Donc passivement, notre intelligence est infinie, et la volonté, la même chose, c'est l'acte, nous sommes capables d'acte d'amour. Et activement, c'est limité, mais aussi en réception, c'est infini. On peut recevoir l'amour de Dieu. Et Dieu, en nous, peut nous aider à aimer le Père. L'Esprit Saint, en nous, il dit « Abba, Pater ». Et ça devient donc un acte infini. Parce qu'on le fait avec Dieu, le Dieu nous le fait en nous. Et c'est ça notre éternité, d'être dans, participer à cette vie de Dieu, de lumière et d'amour, connaissance et d'amour infini. Comme Dieu est heureux par cela, il est bonheur infini. Et Jésus veut nous éduquer à cela. Alors comment faire avec des êtres qui sont limités par la matière, même par l'esprit, comme les anges? Ils ont un esprit limité, mais quand même, nous sommes encore plus limités parce que notre esprit est dans le corps, lié à un corps, ce qui est un miracle. Parce que comment est-ce qu'un esprit peut être lié à son contraire, à la matière? La matière est par définition pas d'esprit, l'esprit n'est par définition pas de matière. Ce sont deux contraires et ils sont quand même unis. Eh bien, c'est une toute puissance qui peut... C'est encore la preuve que Dieu est tout puissant, hein. L'être humain. Une union harmonieuse entre un esprit et la matière, c'est presque philosophiquement, c'est presque inconcevable. Ça prouve la toute-puissance de Dieu, qu'il a fait de tels êtres, n'est-ce pas? Mais il a fait des êtres qui ont des difficultés, qui, par beaucoup de travaux, rendent gloire à Dieu. Il a offert une diversité, une variété dans la création. Minéraux, végétaux, animaux, hommes, anges, et encore plusieurs corps d'anges, et plusieurs espèces de races et d'hommes humains, donc plusieurs races d'animaux, etc. Donc une variété pour chanter mieux la gloire de Dieu. Parce qu'une seule créature n'est pas capable de chanter la gloire de Dieu, qui est infinie. Donc une quasi-infinité de créatures pour mieux chanter la gloire de Dieu. Alors nous sommes des êtres qui sont créés pour Dieu, comme les anges, mais pour les anges, qui est absolument la simplicité, n'est-ce pas, presque tirée jusqu'au bout possible pour une créature, ils ont été créés, il y avait la communication de Dieu d'un décret divin, le Saint, que la deuxième personne s'incarne, et ensuite les anges devaient tout simplement accepter, oui ou non. Ça va vite, parce qu'ils ont tout compris. Ils avaient bien étudié, il n'y avait rien qui était flou. Une intelligence angélique était totale dès le début. Ils ne vont pas faire des études, c'est une science infuse. Ils ont décidé assez vite, parce qu'ils ont tout compris, donc ça se dire. Et après, il y a la récompense de la punition. Ça va très vite. Mais pour nous, Dieu a voulu faire des êtres qui sont destinés à la gloire, mais avec beaucoup de travaux, avec beaucoup d'efforts, des vicissitudes, n'est-ce pas, des occasions, n'est-ce pas, quasi à l'infini, hein, parce que toute une vie, on a des occasions pour montrer qu'on aime le bon Dieu à chaque instant. Donc des hommes, des êtres compliqués, enfin compliqués dans le bon sens, ça veut dire la gloire de Dieu va être chantée de cette manière-là. Alors, comment est-ce que Jésus fait? Ici, il y a une des tactiques, voilà, qu'il montre. D'abord, il donne les bonnes choses. Ici, il se donne soi-même.
La présence de Jésus, c'est une des choses les plus consolantes qui existent. Imaginez-vous que vous êtes avec Jésus, life, que vous l'avez à côté de vous, comme vous avez à côté de vous d'autres personnes, que vous pouvez le connaître. Et ensuite, que vous vous rendez compte qu'il est Dieu. Parce que sinon, ça sert à peu de choses d'avoir un homme beau, intelligent, ce que vous voulez, bien, mais que vous savez qu'il est Dieu, parce que c'est encore la foi. C'est un don que vous recevez. Même les rois mages ont reçu ce don. Quand ils ont vu un petit bébé dans une situation impossible, ils ont quand même eu la foi. Alors, c'est une consolation extraordinaire, comme on a eu tant de consolations. Tous les dons qu'on a reçus sont des consolations, commencer par nos existences. On existe. Vous rendez compte que vous existez. Il y a des personnes qui n'existent pas, qui auraient pu exister, mais qui n'existent pas. Le nombre des hommes est limité. Vous rendez compte, vous existez. Exister, c'est quelque chose de divin. Hein? Parce que Dieu est existence. Et on existe seulement par Dieu qui peut donner seul l'existence. C'est incroyable, l'existence. La différence entre n'exister et ne pas exister est infinie. Vous existez. Quel bonheur, quelle possibilité, n'est-ce pas? Quelle occasion de faire des choses. Ensuite, effectivement, vous avez reçu tout ce que vous savez. Je ne vais pas le nommer parce qu'on passe des jours à dire tout ce que vous avez reçu, n'est-ce pas? Le corps, une mère... tout ce que vous avez découvert, n'est-ce pas? Il y a des milliards de créatures. Des milliards de créatures qui sont à votre disposition. N'est-ce pas? Une santé, enfin, j'espère que tout le monde est en bonne santé, plus ou moins. Eh bien, tout ce qui ne va pas, c'est à cause de l'homme encore. Parce que Dieu nous a donné beaucoup plus qu'on a maintenant. C'est le paradis terrestre. C'est ça. Donc, bon Dieu donne des choses, des consolations, des grands cadeaux, n'est-ce pas? Puisqu'il est infini en tout ce qu'il fait, il donne encore plus. Quoi il donne? Eh bien, l'infini. L'infini, c'est soi-même. Et Dieu veut nous éduquer jusque-là, donc il veut donner pour montrer sa bonté, parce que c'est la gloire de Dieu, justement, que sa bonté soit la bonté en même temps, le salut des âmes. Le ciel, la bonté, enfin, déjà, combler la bonté de Dieu, c'est pour notre salut. Donc Dieu nous donne, pourquoi? Pour montrer qu'il est bon, pour communiquer, parce que sa bonté veut communiquer. Que sa bonté soit connue, c'est la gloire de Dieu, que la connaissance de son excellence, de sa bonté, et c'est le salut des âmes en même temps. Parce que sa bonté se manifeste justement en organisant le salut des créatures. C'est parce qu'il fait la bonté et le salut des créatures qu'il les rend à une bonté, un bonheur infini. C'est dans cela qu'il met sa gloire, que sa gloire existe. La connaissance de sa bonté existe. Donc c'est une et la même chose, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc il nous donne des choses à l'infini. Pourquoi? Eh bien, pour que nous le connaissons sa bonté et que nous l'aimions. C'est ça le but. Parce que c'est par l'amour de Dieu qu'on va au ciel. Pour que nous aimons parce qu'il est si bon. Mais l'homme est tellement... il est capable de faire le mal en abusant de sa volonté qui a été créée encore par bonté pour pouvoir aller au ciel. Il peut dire non. Il peut retourner vers soi-même. Il peut se détourner de Dieu. Et il va prendre les choses qu'il a reçues par bonté pour justement les utiliser contre Dieu, et ça s'appelle le péché. C'est horrible cette affaire. Donc le péché existe justement là-dedans, qu'on va abuser des créatures d'une autre façon. Et bon Dieu veut nous aller amener au ciel, comment est-ce qu'il fait alors? Et puisque nous avons la tendance de abuser des choses, eh bien il nous reprend. Il les arrache, il les reprend. Ce n'était pas comme ça dans le paradis terrestre. Il ne prenait rien du tout. Il voulait ajouter juste la gloire du ciel, juste avec une épreuve très difficile, très facile, très simple. Ne pas toucher de l'arbre de la connaissance.
Mais maintenant, après le péché, on a choisi pour le péché. Eh bien, le bon Dieu a une autre tactique, c'est il donne pour montrer sa bonté, mais s'il voit que nous abusons, il prend. Et voilà, parce que la mort de Jésus-Christ, justement, c'est la suite des péchés. Hein. Vous me voyez et vous ne me voyez pas. Pourquoi on ne va pas? Parce qu'on va le tuer. C'est le péché qui le tue. Mais il va revenir parce que c'est la bonté de Dieu qui va le ressusciter pour nous apporter la rédemption. Il va revenir. Donc il va, et vient, il donne pour montrer sa bonté, mais s'il voit que ça tourne mal, il reprend. Et toute notre vie sera comme ça, n'est-ce pas? On a reçu l'existence, mais il faut mourir. Pourquoi faut mourir? Eh bien parce qu'on est trop attaché à cette vie, comme si on doit rester ici l'éternité, comme s'il n'y avait rien d'autre. Il va reprendre. Voilà. On a une santé, eh bien il la reprend. Hein. Ou bien on meurt jeune, ou bien... il faut devenir vieux, et puis la vieillesse, c'est une maladie qui va à petite dose jusqu'à la mort. Hein. Et bien voilà, la mort, c'est pourquoi il reprend la vie, enfin corporelle seulement, parce que, justement, parce que, justement, pour mériter le ciel, accepter les croix, accepter, c'est pour ça qu'il est né dans une crèche, pour montrer l'abnégation, le détachement des choses terrestres, des créatures. Donc il donne, il reprend, il donne, il reprend, il donne, il reprend. Parce que encore là, après qu'il est ressuscité, on le voit, il est de nouveau là. Mais il va encore partir. Modicum, et vous ne me verrez plus. Il va aller au ciel. Pourquoi? Vers son Père. Pourquoi? Mais bien, encore pour nous préparer une place, pour montrer que ce n'est pas ici le but de la vie. Ce n'est qu'un passage, c'est un moyen pour mériter. C'est temporel, n'est-ce pas? Alors, essayez d'entrer dans ce jeu de Dieu, dans cette marée basse et marée haute, n'est-ce pas? Le va-et-vient du Saint-Esprit. C'est fondamental. Donc, Jésus va retourner à l'ascension au Père. Et il va revenir. Quand ça? Eh bien, à la fin des temps. Pourquoi? Pour nous amener au ciel, c'est ça le but. Bien sûr, si on n'a pas, suivi ce mouvement divin de recevoir et de relâcher, on relâche pourquoi? Pour recevoir quelque chose d'infiniment plus important. On sort du sein de la mer pour entrer dans un monde beaucoup plus vaste. Eh bien, on sort de cette vie pour entrer dans un monde infini, n'est-ce pas, de Dieu, un monde divin. Il faut lâcher pour recevoir quelque chose de meilleur. Et les gens sont tellement bêtes, n'est-ce pas, qu'ils s'attachent à des choses qu'ils ne veulent pas lâcher, mais ils s'attachent à des choses bidules, n'est-ce pas, par rapport à ce qui va venir. Et le bon Dieu nous arrache parce qu'il veut notre bien, il ne veut pas que nous nous perdons avec des bêtises. Parce que la chose qui est donnée comme bonté devient diabolique, si on s'y attache. Ça devient quelque chose du diable, n'est-ce pas, qu'il veut notre malheur. Lui, il s'est attaché à soi-même. Il s'est attaché à soi-même, il s'est proclamé Dieu. Vous voyez, c'est que... Il a refusé. Il a refusé de devenir sept. Il est resté six. Six, c'est la perfection de la création. La création d'accepter Dieu. C'est quelque chose de plus. Ce septième jour, il faut honorer Dieu. C'est la... Le symbolisme des chiffres qui est développé par Pythagore et Saint-Augustin. Eh bien, le diable reste 6. Et même il se divinise. Il va prendre le chiffre 3, 6, 6, 6. Il va refuser de devenir 7. 6 en soi, ce n'est pas mauvais, c'est la perfection de la créature. Mais la créature va devenir, va rendre grâce à Dieu, liberté, librement. Parce que l'amour est un acte libre. Donc, il faut devenir 7. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? C'est fondamental, c'est une leçon de vie. Il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on reçoit. Et si le bon Dieu reprend, il faut l'accepter. Comme dit Job, Dieu a donné, loué soit le nom de Dieu. Dieu a repris, loué soit le nom de Dieu encore. Parce que quand il nous prend des choses, c'est toujours, c'est un mal apparemment pour nous, mais c'est toujours un plus grand bien. Il nous prend des choses pour ce qu'il a en vue, quelque chose de meilleur, infiniment meilleur. Voilà.
Ah, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ça, la guerre. C'est un drame, n'est-ce pas, la guerre. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine, n'est-ce pas? C'est horrible. Donc il y a des choses très horribles, n'est-ce pas, sur Terre. Mais ça, c'est la conséquence du péché humain, encore. Ça ne vient pas de Dieu directement. Ce n'est pas possible, parce que le péché est contre lui. Donc, que les choses nous sont arrachées, c'est la suite de notre péché. Et encore, le bon Dieu arrive à le tourner dans un bien, ça veut dire détachement, pour être ouvert à quelque chose de plus grand. Il se détache déjà plus des choses de la terre, parce qu'ils savent qu'ils vont quitter. Ils sont souvent plus disponibles pour les divinités. Mais il faut être toute sa vie, il faut être comme ça. Toute sa vie, il ne faut pas attendre qu'on a 100 ans, pour qu'on est juste avant la mort, pour se détacher des choses. Hein. C'est dommage. Enfin, c'est bien qu'on le fait à cet âge, il vaut mieux tard que jamais. Mais il faut commencer dès le début, comme la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Jésus même, ils ont joui des choses. Jésus a même fait de tourner. C'était le meilleur vin. Donc il a joui des choses. Cher fidèle, c'est ce mot du coup, je suis avec vous pour un certain temps, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Dieu a du hâte, le désir pour nous accueillir dans le ciel. Donc il faut que ça dure trop longtemps non plus. Par rapport à l'éternité, c'est à peu près 70 ans, c'est comme du vent qui passe, n'est-ce pas? C'est un petit modicum par rapport à l'éternité. Donc modicum, il vous donne beaucoup de choses, il vous donne consolation, même soi-même, mais à part une part, parce qu'il s'était trop attaché à son humanité, pour comprendre la situation des apôtres avec Jésus, trop à son humanité. Et il veut qu'ils soient attachés plutôt à sa divinité. C'est ça le but. Son humanité est qu'un moyen pour les amener à sa divinité. Mouvement qui est en Dieu, de Dieu sort à l'intérieur de lui, encore, sa verbe, et retourne par l'amour qui unit. Exitus du Père, c'est le Fils, de Reditus du Fils au Père, c'est le Saint-Esprit. Exitus, Reditus. Eh bien, ce saint mouvement, n'est-ce pas, pour nous, il est aussi très salutaire. Il faut entrer dans ce saint jeu, n'est-ce pas, ce jeu d'amour, n'est-ce pas, ce jeu d'une infinie bonté, n'est-ce pas, qui veut se communiquer divinement, n'est-ce pas, il faut l'accepter, voilà, et tout va bien, vous serez heureux dans les plus grandes calamités, n'est-ce pas, parce qu'il y a des calamités à venir, hein. Un prophète, je vous ai dit, l'autre fois, je pense, l'an dernier, il y aura très probablement une crise financière, économique, des révoltes, les guerres, les Russes, selon toutes les prophéties, vont venir jusqu'ici, mais après il y aura les trois jours de ténèbres, c'est pas amusant non plus, et ensuite il y a la reconstruction, et après il y aura, parce que les gens seront à genoux, n'est-ce pas, ils vont accepter la volonté de Dieu, ils vont regretter leur péché, Dieu est miséricordieux. Quand les gens regrettent, Dieu pardonne toujours. Et ce sera donc, comme je l'ai dit, un grand pape et un grand monarque et un grand pape qui vont venir, qui feront le bonheur sur terre, jusqu'à ce qu'ils disent la salette, les gens vont de nouveau commencer à pécher, attachés à ce bonheur, et encore le diable va prendre l'emprise, tellement que l'antéchrist va venir à ce moment-là. Et encore, voilà, des châtiments, etc. C'est toujours ça, n'est-ce pas? C'est horrible, cette mauvaise tendance de l'homme, n'est-ce pas, de s'attacher trop aux créatures et de refuser, de ne pas comprendre, ça vient de la volonté de Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu parce que Dieu, nous venons de Dieu et nous sommes faits pour lui. Le paradis terrestre, c'est trop mesquin. C'est trop mesquin. Un bonheur éternel au maximum sur terre. C'est trop mesquin.
Dieu nous aime beaucoup plus, il veut nous aimer beaucoup plus. Donc acceptons cette bonté de Dieu, n'est-ce pas? Avec grand cœur, demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre ses mystères et les appliquer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Salam Deo mea quam in Diu ero, alleluia.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Solus in cada. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo per nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, et cum et salutare. De quidem Domine omnitempore, set in opportissimum gloriosius predicare, cum pasca nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus testamus, quia absolit peccata mundi. Qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo retarabit. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quionicia celestis exercitus, in un gloria tu recanimus, sine fine dicentes. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
et l'omnia secula secolorum. Amen. Oremus, receptis rataribus monite, et divina institutione formati ad emus dicere. Pater noster, quius in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Ac Domine sit semper vobiscum. Ecum spiritu tuo. Agnus Dei. Domus peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei. Qui domus peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Confiterum potenti, Beata Maria Sancta Regina, Beato Michele Arcangelo, Beato Menem Battiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulum, Pamatus Sanctis Pater, Cura Pecaminimis Cogitas Sancta Vo et Opera, Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Marcella Culpa,
Ideo peccata Maria Santa Vergine, Beato Michelangelo, Beato Mio Battista, Santa Sopposta, 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 Miserato vesti potens deus et emissus peccatus vestis peccatus bodas vitam et anum. Amen. Ile lesa nos sos fronde emissione peccatore de solum tu da plautus omni potens et miseris de la dominus. Amen. Et si amus de gaci de tu et peccata mundi. Noe nos minibus et peccatum. Sent artum nive abuis an abitur en emana. Nomine nos musilus et sectum, sentant univer brisa l'habitur en humanir. Nomine nos musilus et sectum, sentant univer brisa l'habitur en humanir. Thank you.
Modicum et non vide petis me, alléluia. Idro modicum et vide petis me. Viva doit partem, alléluia, alléluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Sacramenta que sumsimus quismus domine, et spiritualibus nos instaurent alimentes, et corporalibus sui apro exilies, per nomen nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te confiat in affinitate spiritus sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Physical was an important Deus. Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. J'avais promis de régulièrement faire des bénédictions pour les malades et pour les enfants. On va, la fin du mois, on va faire pour les malades et la prochaine pour les enfants. On va faire la bénédiction des malades pour ceux qui ont quelque chose. Voilà. Parce que Jésus, il guérissait les malades et il bénissait les enfants. Donc, pour continuer ce que Jésus a fait. Domine sanctum factum nostrum angelicum. Et exaudi nos indie, quae hoc erere moste. Domine exaudi orationem meum. Et caro meus sate venia. Dominus fabiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus Deus, et cui homines potes et dignitas famum apum. La femme tu origine nostrum fili pro prospens unitatis effectum. Et nos sebe de te meati, virgis patere contendat. Per Christum Domine nostrum. Amen. Amen. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête-nous à nos actions. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Béni ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur sans tache y brille, avec les nobles dévouements. Béni au tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père.
Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Septième couplet. Nous voulons Dieu, notre patrie. Nous le placer au premier rang. Comme autrefois la France prie, c'est par sa foi qu'un peuple est grand. Béni au tendre mère, ce cri de notre voix. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu de sa gloire sainte, jurons d'être les défenseurs, de la servir libre sans crainte, jusqu'à la mort à l'innover. Béni au tendre mère, ce cri de notre joie. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Bon, ceux qui ont la bénédiction sont plutôt à genoux, au milieu, dans comme une onde et par derrière, sauf si c'est un peu difficile pour se déplacer. Ou bien, qu'est-ce qui veut la bénédiction hein? Sinon, je passe par les rangs. Hein? D'accord. Bon, ça va aller comme ça aussi. Pour rester à votre place alors. Il n'en est pas d'être filé l'esprit de Saint-Étienne. Pax sui domini, et toi, nous avons dit dans le Zon nos mi domine domini. Domine exaudi orazione mea. Domine nos fabiscum. Oremos. In tue domine Jesu Christe, dom magia nos imitate, mentre son pex in misericordia tua, et ful exultu cum misticatemo dom ansetanti di pace, dom franques et nomine santinia discordia. Magnifica Domine, super nos nomen sanctum, cum et benedictus in nostre conversazioni, qui sancti pius et permes compatis, pius sancti in secula secula Roma. Amen.
Oremos, Respice Domine, Femme Monstruosa, Infimitare, Copes Avalantes, et Anima Seore, Quas Christi, Lut Castigazione, Vos Emendati, Continuos et Sens Atomisazione, Salvatos, Pecissimo Domine Nostro. Amen. Oremos, Misericors Domine, Fidelum Consolato, Quesumus Immensa, Pietate Tuam, Ut in intuitum humilitates nostre, hos famulos tuos, super lectum nullius quas excentes, visitadi in sicut circum simonis visitasti, propitius est tuis Domine qua tena spesina sanitate recepta, gratia altri medicida tua et protectiones, quisi erens digne sicura siculorum. Amen. Dominus Iesus Christus, apud forse tot vise fena, tinda forse tot vos conserva, tante forse tot vos ducat, post forse tot vos custodia, super vos et tout vos benedicat, qui grand Père et Spirito Sancte vivent de l'année siècle à siècle. Amen. Benixio Odini Votentis, Pardes et Fides et Spirito Sancti, et Saint Sepple Vos et Mère et Sempre. Amen. Thank you.
Thank you.